C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bonsoir Nice, bonsoir vous chez vous. Bienvenue à Nice en direct. Les Nice People ne sont plus que 9 à espérer gagner jusqu'à 600 000 euros pour réaliser le projet de leur vie. Et vous le savez, ce soir, il n'en restera que 8 car l'un des 3 nominés de la semaine devra quitter la villa à l'issue de notre grande émission. Eleanor, Nalé, Prosper, pour qui s'arrêtera l'aventure Nice People? Réponse à partir de 20h50 en compagnie d'Arthur. C'est à vous. En attendant de décider, il vous reste très peu de temps. Pour cela, composez le 0-897-66-2003. Pour qu'Eleanor reste, vous tapez 1. Merci. Pour que Prosper reste, vous tapez 2. Pour que Prosper reste, vous tapez 3. Vous pouvez également voter par SMS, y compris en Belgique et en Suisse, en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez voir rester dans la villa au 70-200. Mais en attendant, revenons sur la journée au sein de la villa. Mr Nice met au défi Jean-Pascal de faire prononcer un mot à leur insu à chacun de nos Nice People. Seulement voilà, JP ignore que ses colocataires sont déjà au courant et que leur challenge, s'ils veulent faire gonfler leur cagnotte, est de ne surtout pas dire le mot en question. Et vous allez voir qu'agitateur rime parfois avec mauvais joueur, regardez. Oh my god! Musique que j'adorais, je l'ai entendue du cabanon, de loin. Superbe, superbe. Une chanson que j'adore et que je n'avais pas entendue donc depuis un mois. Et elle était bien forte pour bien nous réveiller. Et extase, extase, super. Merci. Je crois que je vais prendre un appartement et tu vas venir y habiter. J'en ai marre de payer mon ménage. Pardon ? Prends pas en compte la fin. Ah, super. Juste. Je te remercie, c'est gentil. C'est un compliment. Je serai jamais sa femme de ménage. Ça, je leur ai tous dit. Ma mère m'a très très bien éduquée à ne pas savoir cuisiner, à ne pas savoir laver de la vaisselle, à ne pas savoir coudre, à ne pas savoir repasser. Donc je ne sais rien faire. Oh non, là je vois. Ah ! Quoi ? Ah, t'es dégoûtant ! Regarde le ciel, il a montré son zizi. Non, c'est pas un zizi ! C'est un monstre! C'est un plastique! Oh merde, Jean-Pascal! J'ai pas de serviette! T'as vraiment pas de manière, hein? Jean-Pascal! Et tu disais quoi? Je suis pas du tout exhibitionniste, moi! Non, non! Je suis assez timide! Non, pas du tout! C'est pas de toute fraîcheur, ça! C'est vrai, ça vous dérange? Ouais. Ouais? Mais non! Oh, mais je le regarde pas! J'aime pas avoir des gens nus. Voilà, mais sans... chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est donc, c'est pas choquant. Quand il passe avec ses fesses, moi je me retourne. Ça te dérange? Tout, ouais. Je regarde si, pas. C'est la base. Non, ça dérange. Hein? Si on ça a dérange pas, que. On pas. Hein? Ouais, voilà. Je suis quelqu'un d'assez pudique. Ça me dérange nullement qu'il le fasse. Et je le critique nullement là-dessus. Mais venant de moi, je vais pas me retourner pour le regarder s'exhiber, par exemple. Et à regarder son corps, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça va? Tu aimes bien montrer ta bite. Mais non, mais j'ai oublié ma serviette, elle est petite. Y'a pas une serviette là? Oh, je dis, il fait froid, hein. Tiens, c'est à qui ça? Y'a marqué les prénoms, vas-y, prends. Voilà, je prends ça, vas-y. Beauté. Tu veux? Non, merci, ma puce. Je déteste le melon en fait. Oh. Moi,
tu vois, avant, j'aimais pas trop, mais j'avais un gel à raser. Oui. L'été dernier, gauche. Dans un camping, non, tu t'es pris une raquette de tennis et tu sais pas comment, tu l'as retrouvé dans le vagin. Non, vas-y, raconte, c'est une blague, c'est un film. Je connais. Et alors, vas-y, tu n'aimais pas, hein? Non, c'est pas grave, c'est... Non, c'est pas grave, mais ça m'intéresse beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Non, je me suis acheté un gel à raser à goût de melon. Un gel à raser? Oui. Mais tu sais que c'est dégueulasse quand tu prends des gel à raser normal et tes jambes s'appuient aussi tes mains. Ok. Que... Et donc, t'as découvert le melon grâce au gel à raser? Oui, parce c'est une histoire que ça merveilleuse. Sentait très bon. C'est une histoire que j'aime. Est-ce que tu peux me la raconter cette nuit pour me faire endormir? Tu veux? Oui. Ok. D'accord. Toujours pas de melon? Toujours pas de melon, ma puce. Okay. Parce que je me rase pas les jambes, donc... Bonjour, aujourd'hui, nous proposons de piéger, en fait, les Nest People. Ok. Donc, en fait, toute la journée, nous proposons de... On va se donner une liste de mots que tu vas devoir faire prononcer aux Nest People. Ok. Et tu auras 10 minutes pour le faire prononcer à une personne. D'accord. Quoi? Les tétés. Et en vulgaire. Les moi, il y en a un million de trucs pour dire. Comment tu dis, toi? Normalement, tu dis quoi? Les tétés. Les tétés? Ouais. T'es un gros cochon, toi. Pourquoi? Voyons que je rigole, comment... Qu'est-ce que tu... En français, vulgairement, qu'est-ce que tu connais? Je vais t'en apprendre, moi. Pour pas te faire griller. Vulgairement. Moi, je connais un truc, c'est les bjèges. Les bjèges. Ça vient de Béja. Ouais. Les bjèges, les miches. Ouais. Oui. Félicitations, ils sont bien rondes, vos miches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les... Comme le corps que tu manges. Vert. Que tu trempes. Les cornichons? Voilà. Et donc, sans le corps, ça fait quoi? Mais ça, ça veut pas dire la même chose. Ça, c'est cette partie-là. Non? Comment on dit ça, le corps? On dit quoi? J'en ai marre! Qu'est-ce que j'en ai dans le dos? Des... On appelle ça? Hein? Comment on appelle ça? Tu sais, des petits... Merde. Mais t'as pas de merde? Non, des... Merde! Oh. La craie... Quoi? Est-ce que j'en ai dans le dos? Oh, putain. Mais t'as rien comment dans on appelle le dos? Ça? Là, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, là? Hein? Je suis con, hein? Mais tu te fous de ma gueule? Mais non, je sais. Merde, j'arrive plus à. Mais t'as de la crème juste. Non, mais pour ça là, lever. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle, hein? T'as des rides là. Oui, mais ça s'appelle comment? Mais t'as des rides sur le front. Mais non, ça, c'est quoi ça? Mais explique-toi un peu, mais ça va pas, toi. Merde, toi, la toi. Chemise, on l'attache avec un. Putain, je sais. Attends. La chemise, on l'attache avec des. Quand tu attaches la chemise, il y a des. Mais c'est à moi que tu demandes ça? Mais oui, je sais plus le. Des pressions? Mais non, hein? Merde. Ça s'appelle, hein? Ça, là, c'est quoi, ça? Hein? Ça, c'est les touches pour le... Non, c'est pas humain, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je suis désolé, là, je peux pas. Mais t'as plein de graines de beauté sur le dos. Ça, c'est comment on dit, ça? D'ailleurs, tu le savais pas. Coude. Coude. Ça, c'est quoi? On dit les... Poils. Non, dessous. Comment ça s'appelle, ça? Poils. Les et... Poils. Non. Les ailes. Je sais pas. En si. Italien, c'est HL. HL. En français, c'est pareil. C'est E sans HL. Le CHE. Tu dis un S. HL. S. HL. Non, S. J'ai pas mon micro. Vas-y. Et. HL. Je vais avoir une montée, là. Vas-y. Et c'est. Et c'est. Essaie-le. Essaie-le. Non, essaie-le. Essaie-le. Non, E. Essaie-le. Non, essaie-le. Essaie-le. Dis essaie-le. Essaie-le. Oui, tu l'as dit. Essaie-le. C'est non, bien. Non, j'ai pas dit essaie-le. Si, t'as dit essaie-le. Si. Essaie-le, c'est pas essaie-le. Non, tu l'as dit. C'est pas... Non. C'est bon. Non. Oh merde, elle a le balai! Salope! Salope! Elle a le balai! Elle a le balai! Mais elle est morte, elle est con! Merde!
elle a dit échelle, comme elle dit le sucre, la fleur, avec son accent. Mais elle a dit échelle, donc je le compte comme un demi. Je te pose une question, réponds-moi. Tu mets du cru et C-H-E à la ferme. Pas, mais je vais pas te montrer ma bite comme là. Elle a des problèmes de fonction. Laisse ça, la pauvre. Tu peux pas insister, elle est allemande. Je fais le vol là. Je fais allemande. Je fais allemande. Oui, allemande. Surtout casse-couille. Allez, c'est pas aussi impossible. Allemande. Ça va, Prosper? Ouais, toi? Ça va. Je suis juste... Il faut que j'attende ici parce que Jean-Pascal, il veut me faire prononcer un mot. Donc, il faut pas qu'il... Il a essayé. Et je suis partie, donc il faut que j'attende 10 minutes avant de rentrer. Pour les armoires. Catherine, quand tout... Un moment sur la gauche. Il y a un gros boulot. Ouais, rigole pas. Tu fais trop mal. Viens deux secondes. Viens deux secondes. Ouais, tu vas le faire parce que t'as réussi à faire le début. Tu vas faire l'affaire, s'il te plaît. Truc! Ouais, fais pas des gestes. Truc! Cru, c'est. Truc! H-E, ça fait quoi? Ça fait. Ah, je suis convaincue que c'est dégueulasse. Ouais, d'accord. Ouais, allez, dégage. De toute façon, j'ai jamais aimé l'Allemagne, moi j'ai jamais aimé l'Allemagne, c'est une de merde. Qu'est-ce que tu dis là? Ouais, tranche. Ah, cru, qu'on verra, voilà! Bah bon, c'est pas de ma faute, quoi. Alors, elle parle très bien français, hein. Quand elle dit, oh, t'as un joli zizi, elle sait le dire, hein. J'y arrive pas. Je vais définitivement détester l'Europe, quoi. Voilà, on a tout fait. Enfin, j'ai tout foiré, mais j'ai tout essayé, sauf fouet. Je vais fouetter quelqu'un aussi. Voilà. Jean-Pascal. Oui. Le temps est venu pour toi de faire le point sur un défi que tu as dû relever aujourd'hui sans que les Nest People soient au courant. Hein? C'était quoi? On peut en parler, s'il te plaît. C'est quoi? C'est pas vrai. JP? Mais quoi? Quand, quoi? Vous avez tous été briefés ce matin? De quoi? J'ai pas capté à vous faire trouver les mots là, ça. Je suis fatigué, faites pas chier. Hein, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas compris. Rien, allez, vas-y, dis! Vas-y, lâche le truc, mec! Baisse d'un ton avec moi. C'est quoi, ce défi? Comment tu parles? Il fallait que je vous dise des mots là, le cruche, l'autre là, il peut pas lire. Et ah non, non! Mais l'autre, mais c'est pas la question! Oh lui! Je demande avec quoi on attache une chemise là? Un trou, le truc rond, des agrafes! On m'avait pris pour un lapin! On a tout perdu. Pourquoi? Chez les People, pour avoir été plus fort que l'agitateur, vous remportez 1000 euros à votre compte. Ah, tu voulais parler d'amour! T'as pas d'amour. Compris! T'as rien compris! J'aime pas perdre, d'accord, ça c'est vrai. Après, quand je perds, je perds. Mais là, j'ai perdu. Je perdais d'avance. C'est-à-dire que c'est comme si tu vas au casino, tu vas jouer, mais tu sais que tu vas perdre. C'est encore plus compliqué. J'arrive pas à dormir aussi. Moi aussi. Exactement pareil. J'ai essayé de dormir là dans le canapé et je sentais le truc en moi aussi. Je faisais des soufflements pour essayer de me calmer. C'est incroyable. Et j'ai commencé à dormir un petit peu. Je suis très nerveuse. Je suis très vieille parce que moi aussi. Mais toi, je comprends, mais moi, je comprends pas pourquoi. Non, mais c'est normal, nous tous. Même avant la nomination, moi, j'ai de moins. Mais non, mais c'est. J'ai de moins en moins facile. Je suis dehors de tête. Je suis vraiment un peu. Par rapport à mes émotions, en fait, j'ai peur. Je sais pas comment je vais réagir. C'est pas tellement à rester ou partir. De partir ne me fait pas peur. Par contre, c'est la tension que je vais vivre pendant les heures avant le verdict qui me fait peur et les émotions que je vais vivre en entendant quelqu'un de familier qui va me faire... qui va me faire vivre que d'émotions. C'est super tard par rapport aux générations d'aujourd'hui. À 15 ans, t'as des gens qui avaient peut-être beaucoup de goût. Moi aussi, je commençais tard. Tu sais. Bah, parce que t'es. Alors, toi, tu travailles qu'à là-dessus, tu sais quoi. Je suis stressée. Moi, c'est ça qui me botte. Moi, c'est ça. Voilà, parce que t'as fichu. Je crois que j'ai vraiment envie de me barrer de cette manière. C'est vrai? Demain, ouais. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Là, ça me saoule. Ouais.
ça me gave. Parce que, c'est, je sais pas. Ça me saoule, là. J'ai besoin d'air, j'ai l'impression. J'en ai plein le cul. Moi, je suis là pour gagner. Je suis là pour passer un bon moment. Mais là n'empêche pas. Mais tu penses à gagner maintenant? Non, pas maintenant. Parce qu'on est à 4e semaine, je suis nominé. Tu penses que je pense à gagner? Si j'ai une chance sur 10 de rester là-dedans. Donc tu penses que. C'est clair que. Je pense pas à ça. Je suis en train de penser plutôt à ce que je vais faire demain soir en sortant. Hein. Oh, comment ça, en sortant? Je suis navrée. Je sais que ça t'énerve. Ouais. Forcément, ça m'emprise parce que j'ai pas l'impression d'avoir terminé l'aventure et je risque malheureusement d'être coupé net dès demain. On est con d'avoir nominé Naré, putain. Tu l'as nominé? Oui, je lui ai dit. Moi aussi, je l'ai nominé. Je lui ai dit. C'était pas parce que je l'aimais pas. Moi non pas plus. Du tout, moi pas non du plus. Tout, je l'aime beaucoup. Ouais, rien à voir non plus. Ce soir, Eleanor, Nalé ou Prosper devra quitter la villa à l'issue de notre grande émission. Et c'est à vous de décider quels sont les deux nice people qui auront le droit de retrouver leur colocataire. Pour cela, un numéro de téléphone qui est le 0-897-66-2003. Pour qu'Eleanor reste, vous tapez 1. Pour que Nalé reste, vous tapez 2. Pour que Prosper reste, vous tapez 3. Vous pouvez également voter par SMS, y compris en Belgique et en Suisse, en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez voir rester dans la villa au 70-200. Depuis maintenant un mois, nos 9 nice people vivent sous le même toit, mangent ensemble, dorment ensemble et n'ont par conséquent plus beaucoup de secrets les uns pour les autres. C'est pourquoi Mr Nice leur a proposé d'organiser pour la soirée un véritable show d'imitation. Ils ont seulement quelques heures pour s'entraîner à parodier le colocataire de leur choix, avant le spectacle final, bien sûr, autour d'un feu de bois. Fou rire garanti. Cher nice people. Oh. Crie. Bon. Nous vous proposons d'organiser aujourd'hui une petite séance de imitation. Génial. Répartie par deux, par groupe de deux, de chacun, dans un lieu différent de la villa. Vous devrez vous entraîner à imiter la personne de votre choix. Nice people ou invité. Donc, on peut imiter une nice people ou un invité. Ça, c'est nul. Ça va être simple. Vous disposez de toute l'après-midi pour vous entraîner à l'abri des regards et de celui que vous imiterez. Là, bon, on va se faire la pétanque, d'abord. Ce soir, réunis autour d'un feu de camp dans le jardin. Ah bah tiens, ouais, tu l'as dit, ouais. Moi, j'imite Catherine. Jolie. Vous dévoilerez, vos talents d'imitateur aux autres. Ah, moi, je vais prendre... Elder, c'est ça, tu vois. Quand il se tait, marche comme ça, Elder. Il met la main comme ça. Comme ça. Tu vois, il est là. Avec le dé. Tu vois? Et dis-moi si je le fais bien, tu me dis qui c'est. Attention. Hein? Oui. Et quand je t'apprends le geste de la raquette, je retrousse le manche, je fais là, je passe la main dedans comme ça dans le sein. Tu sais, je te. Voilà. Ouais. Et toi, tu fais aller, arrête. Après. Après, arrête. C'est dur. Oui, non, mais ça, on s'en fout. Non, mais ça m'énerve. Oui. T'as vu qu'il est costaud de ça. Oh, t'es fou de mettre ça. Quoi? Ouais, bah. Là, tu ressembles à Catherine. Non, là, tu ressembles à Catherine. Et tu sais qu'il pourrait faire ça, hein. Grave, non, mais hey, grave. Hey, j'ai du travail pour toi, si tu vas à la sortie. Papa, don't freak. Irène, pas du tout. Oh, mais oui. T'as talent. Papa, don't freak. Ah oui, Elder.
Non. C'est elle d'elle. C'est énorme. Non. 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 Pareil, j'ai envie de dormir. Ah, c'est sympa, Léonore a bien étudié le personnage. Et c'était pas mal, c'était sympa, j'ai bien rigolé. Ugolo Giro Mario! Vas-y, Nalé! Ouais! Il arrive, tu vois tous. J'entends-tu? Ouais. Non, ça c'est moi, c'est pas. Ah, c'est le gars! Il marche que moi! Il les a remises aussi. Il marche comme moi! J'ai mal au cou. Mal au cou. Mais ben moi, je m'en fous. C'est quand on sent quelque chose vous échappe, que vous tenez le, vous rendez compte que vous y tenez le plus. Et plus que jamais, j'ai envie de rester. Et donc, il y a des fois où je suis un peu inquiet. Et puis, à la fois, bon, ben, je passe une très bonne soirée. On a beaucoup rigolé avec les imitations. Et ça, le fait de rire un petit peu, ça a libéré pas mal de stress. Bravo! Ah, chier! Non! Non! Moi, je dis ça va chier! Allez, putain! Ah, moi, je suis venu ici pour faire le bordel. Rien à foutre du système! Ça va chier! Ah ouais, bravo! Bravo! Ça va chier, j'ai dit! Il fait mal, non? Mal de chien! Mal de il était chien. Bon, son petit jackass dans le hamac. Attention. Nalé, est-ce que tu peux me faire un cours de tennis? Mais bien sûr. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Ton truc. Tu te places comme arrête, ça. Arrête, je me brûle. Attends. Regarde, tu te places comme génial. Ça. C'est génial, c'est tu génial. Tu te places comme ça. Regarde, Nalé, regarde. Ok, et maintenant, tu mets ton bras en arrière, comme ça. Comme ça. Ah, arrête, Nalé. Tu as du beau sein, je craque. C'est merci. Tu penses, c'est vrai? Bah ouais, c'est ouais. Alors tout fait le cheval maintenant. Il a fait ah, c'est génial, il a fait. C'est tout à fait ça. Attends ça. Et... Oh, comme ça, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Oh. Ah, là, 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 là. Vous le savez, vous pouvez jouer avec nous au Nice Quiz pour gagner une soirée exceptionnelle sur ce plateau. À Nice, voici la question du jour. Qui est Léonore imite-t-elle lors de la soirée? Téléphonez au 3280 ou par SMS en tapant Nice au 72-500. Bonne chance à tous. Dans un instant, vous assisterez à une véritable première dans Nice People. C'est Léonore qui craque. La jeune Anglaise ne peut retenir ses larmes à l'approche de sa possible sortie de la villa. On ne bouge pas, on vous attend à tout de suite. De retour
retour sur le plateau de Nice People, toujours en direct de Nice. Si vous voulez passer une soirée exceptionnelle ici, en notre compagnie, sur le plateau de l'émission, je vous rappelle la question. Qui Eleanor imite-t-elle lors de la soirée? Le numéro de téléphone, c'est le 3280. Vous pouvez également jouer par SMS en tapant Nice au 72 500. Je vous souhaite bien évidemment bonne chance. Revenons sur la fin de soirée de nos Nice People. L'ambiance jusqu'alors bonne enfant se tente soudainement. Prosper joue les paranoïaques et insinue que sa troisième nomination est une véritable machination. Eleanor, quant à elle, se trouve pour la première fois directement confrontée à la dure réalité du jeu et craint de ne pas avoir que des amis au sein de la villa. La jeune anglaise craque et fond littéralement en larmes. Oh, allez, sors-les. Eh oui, on les avait cachés. Fais ça avec la guitare, hein, sinon dans 10 secondes je te l'enlève. J'ai même plus envie de venir vers vous, tu vois. Mais si tu comprends, je comprends pas. Si tu comprends, alors en quel sens tu comprends? Si tu dis déjà que c'est de la du complot, si des mecs. Non, le complot c'est ce soir. Je me suis dit, mais merde, c'est le 3 et demi. Comment ce soir? Non, ce soir je me suis dit, merde. Mais tu viens de me dire qu'il y a une personne qui va vers Carolina et Serena qui dit. Oui. Faut nommer ça. Tu sais qui c'est? Tu t'es douté? Non, je sais pas. Bon, bah, essaie de chercher, je vais pas te dire le nom, mais doute-toi. Non, mais si tu sais ça, je veux dire, c'est même pas question de. Bah, c'est ça que je sais, ouais, c'est ça qu'on m'a dit. Ah, bah, vous... Mais c'est pour ça que moi je pensais que tu faisais partie des gens qui complotaient avec lui. T'as demandé à quelqu'un ici de nous nominer? Ah non. Faux. Totalement. T'as jamais dit à quelqu'un? Il n'y a pas besoin. Il y a des personnes qui sont bien entendues et. Non, c'est pas ça. Je te demande, c'était juste. Je te demande si quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinité, je suis allé lui dire tu votes ce soir. D'accord. Tu me demandes si je suis allé vers quelqu'un et lui dire tu votes cette personne-là. Non, je t'ai demandé si t'as pas demandé une fois à quelqu'un, ça te dirait. Tu penses qu'il faudrait pas. Pourquoi il y a quelqu'un qui t'a dit ça? Pas une, deux. Ah ouais, vas-y, on y va ensemble. Ensemble. Non, je te crois. Ensemble, je regarde dans les yeux. Pourquoi? Parce que je te crois. Point la ligne. Ça me fait chier, ça. Hey, stop. Non, par contre, je vais savoir qui c'est. Et je dirai rien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est mais utile pour le futur pour savoir qui c'est. D'accord, mais est-ce que je te peux te faire confiance? À 101%, t'as ma parole d'italien. T'es jamais le que ma mère tombe maintenant, si je te dis. Vas-y. J'ai très bien compris que même en étant gentil, et même en aimant tout le monde, que pas forcément tout le monde m'aimait. Et je me disais, mais pourquoi? Je comprends pas. Je comprends très bien maintenant. Ça, je l'ai appris à 15 ans. Maintenant, une chose qui me fait profondément chier, mais pour tout te dire. Ne pense pas que je t'ai nommé à partir de cette idée de la cause du hors-soi. Ça me fait chier parce que. Non, mais c'est pas à cause de ça, moi, je vais te le dire. C'est ce qui a fait. Non, mais ce qui avait débordé le vase, c'est la goutte qui a fait débordé. Oui, ce qui m'embête, c'est que moi, je passais un bon moment. Et je constate. Mais on a tous passé un moment. Je t'ai remercié. Je t'ai remercié de cette nuit. Et Mick, peut-être que vous ne pensiez pas. Je sais que je suis censée prendre du recul et que c'est un jeu, mais pour moi, je suis pas là pour gagner, je suis pas là pour un jeu. Je considère pas ça comme un jeu, je considère ça comme une expérience humaine pour les moments difficiles qu'il puisse y avoir, mais puisque c'est un jeu, tout le monde se méfie et ça me rend dingue. Et ça me rend dingue parce que tout le monde se méfie de moi, ce qui est hallucinant. Je suis là, j'étais venue ici pour l'expérience humaine et pour passer un bon moment. À partir du moment où les gens ne confient pas en moi, ça cesse d'être un bon moment. La seule chose que je demande, c'est que tout le monde essaye de prendre le côté le plus optimiste et que je vous aime beaucoup, tous, donc même si je ne serai plus là, j'ai passé un très très bon moment
Et autant en modèle que pour JP. Putain, j'ai honte. Je suis désolée. Oh la honte. No. Stop. Merci. Franchement, vous avez été super gentilles toutes. Vous avez été super tactiles et ça fait vachement bien. Et voilà. Ouais. Surtout toi, ouais. D'ailleurs, ça suffit. Classique. D'ailleurs, ça suffit. Bravo, Yann. Moi, je te fais un bisou. Moi, j'ai envie de rouler une pelle, j'étais maquée. J'ai découvert des gens géniaux, tous, autant les uns que les autres. Même si ça fait rire Carolina, sache que j'espère que tu feras des gros progrès à la guitare. Et c'était pour rire, ça. Mais non, mais c'est vrai, j'espère qu'elle réussira la guitare. Et même Prosper, que j'ai nominé, je t'ai peut-être pas cerné, je pense que tu as une pub bien. Malgré tout ça, on peut pas cerner, peut-être c'est un jeu, ça reste un jeu. J'espère peut-être qu'on se retrouvera tous, quand tout le monde sera sorti, qu'on fera une énorme bouffe. Voilà, je tenais à vous dire que j'avais passé un agréable moment et si je peux revenir, ça sera avec un grand plaisir. Merci. Voilà. Et donc, il en est quoi, il veut pas? C'est pour le brick, rien d'autre. Rien, mais il n'y a aucun doute sur ça. Tout le monde le sait. Ah. Oh, et tu... Ah. C'est terrible. Non, mais c'est pas ma journée, de toute façon. Je suis hyper fier pour moi, la réalité, tu vois, ça ressemble à ça. La demande, mais... ouais. Tu verras. Tout est ramené. On verra. Tu verras. Mmh. Je ne sais pas. Non, l'île de la tentation. Mais moi, je l'adore, Raimondo. Je l'adore énormément. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je m'entends très, très bien avec lui. Et ça fait bizarre que je le rencontre ici. C'est à vous de décider quels sont les deux nice people qui auront le droit de rejoindre leur colocataire ce soir. Pour cela, composez le 0 897 66 2003. Pour qu'Eleanor reste dans la villa, vous tapez 1. Pour que Nalé reste dans la villa, vous tapez 2. Pour que Prosper reste dans la villa, vous tapez 3. Vous pouvez également voter par SMS, y compris en Belgique et en Suisse, en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez sauver au 70-200. Nous vous donnons rendez-vous, Arthur et moi, à 20h50 pour notre grande émission événement en direct de Nice. Jean-Pascal et les modèles quitteront la villa. Vous découvrirez qui prendra leur place et surtout, vous saurez enfin qui d'Eleanor, de Nalé ou de Prosper devra quitter l'aventure Nice People. Toutes les réponses à partir de 20h50 en direct sur TF1. On se quitte encore une fois avec des images de la villa. Eleanor et Prosper vivent peut-être leurs dernières heures ensemble et comptent bien en profiter. A tout à l'heure, merci. Pourquoi ? Ah, c'est relou, ça. C'est élastique. Et si on restait collé comme ça? Jusqu'à ce soir. Je peux faire pipi.